Les ordres du capitaine, Iris. Wow, 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 tu crois aller où comme ça? Je suis volontaire. T'es volontaire? Qui a approuvé? Le capitaine Garrison. Vois ça avec lui. Vous étiez tous au courant? Vous parlez mandarin, sergent. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, jeune fille? Je suis là pour aider. Vous allez me couvrir, hein? Vous voulez que je vous dise? C'est une putain d'erreur. Elle va nous faire courir des risques. Je sais pas s'ils sont courants, mais y a pas d'eau en dessous du bateau. Guerrier du Valkyrie, je sais qu'on est crevés. On a tous souffert. Perdu des amis, des proches. Alors faisons en sorte que ce ne soit pas en vain. La tempête a cloué au sol les avions ennemis. Mais ça ne va pas durer. Il ne reste peut-être que nous. Mais on ne va pas se laisser faire. Cap à l'ouest, nous allons attaquer l'aérodrome pendant la tempête et ouvrir un passage par le détroit de Singapour. Frappez vite, avec détermination. Cette tempête va nous ramener chez nous. J'espère que vous êtes prêts. Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du walkthrough de Battlefield 4. Tadadam ! Ils ont tous des putains d'amtrak et nous, on est seul avec un bateau gonflable, quoi. Non, mais c'est vrai, ils ont des blindés et nous, on a un bateau gonflable. C'est une blague, hein ? Bon. Attends, en tout cas, waouh, putain, les vagues qu'il y a ! Oh, c'est impilotable. Si l'attaque est un échec, ces quatre gens vont morfler. J'écoute le dialogue. Il faut dégager près de la plage, on y va. Oh la vache, mais c'est vraiment bien foutu. Oula. Oula là. Bon allez, on dégage. Oh putain, les palmiers, regardez les palmiers. Regardez les palmiers. Regardez les palmiers comme ils bougent et tout. C'est vraiment pas mal, hein. Bon, on est tout de suite dans le combat. Ça commence tout de suite très 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 fort. Alors, on va se calmer un peu. On va choisir une arme déjà. Waouh. Là, j'avoue qu'on est rentré dans le... En mode combat, tempête et tout, très très rapidement. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. On va... Attendez, je vais juste changer d'arme. Je vais pas prendre un Scarra. Je vais prendre la CZ machin. Voilà. Ouais, pour vous porter bien et tout, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous prendre un petit truc, un petit paquet de chips, un machin comme ça. Vous êtes pas obligé, mais c'est... Après, certains m'ont dit, ouais, Nubes, sponsor anti-diabète ou contre le diabète, ou un truc comme ça. Je trouve ça assez drôle. Alors que non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous. Enfin, moi, je sais que j'aime bien, c'est pour ça. Enfin, j'ai passé des moments excellents à regarder des épopées comme ce Looper, ou même WX9 avec... Zelda ou autre, où je me prenais des bons gros repas en regardant ça, et c'était vraiment un plaisir. Donc je me dis que peut-être que vous aussi, ça peut vous faire plaisir, et ben c'est quelque chose que j'aime partager, tout simplement. Donc, pour l'instant, en sniper, on se fait un petit massacre, là. C'est l'ambiance avec le vent, les palmiers qui bougent, les effets de lumière, de d'eau et tout ça. Et encore, je suis pas tout à fond, hein. Si on regarde les vidéos, bon, je suis tout en ultra, mais j'ai pas l'anticrénage différé. Et là, je suis pas à fond non plus. Ah si, là, je suis à fond. En fait, j'ai une chose qui est pas à fond, donc en fait, si, je le joue à fond. Mais je pense qu'on peut l'avoir encore en plus beau. Si on active, vous savez, sur la carte graphique, on peut paramétrer certaines choses sur la carte graphique pour avoir encore... Oh, putain, la voiture. Pour avoir un truc encore plus beau. Oula. Pff, c'est quoi ce bug? Les mecs, ils ont fait un truc bizarre. Ah, il y a un tank avec nous. Puis la petite musique d'ambiance derrière, c'est bien sympathique. Non, franchement, c'est vraiment sympathique. Tiens, elle est là, Anna. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Anna? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Comment tu te débrouilles? What? T'es sérieux, là? Excellent. Excellent.
T'as le temps qui se prend pour un espèce de... de humeur ou le temps... Non, comment ça s'appelle? Des monster truck. Hein, j'avoue, ça c'était bien trouvé, c'était marrant. Ça, je trouve que c'était assez rigolo. Donc je disais, Anna, elle fait, elle devient quoi de bien, elle. Ça, elle s'en sort bien, en fait. Elle se débrouille correctement. C'est bon. Bon, j'avoue que là, le temps, pour le coup, il est plutôt utile, hein. Ça change de mes alliés que j'avais avant. Attends, qu'est-ce qu'ils disent à la radio? J'ai rien compris. Un scope. Eh, on a du skill, on l'a pas, moi. Et... ah non, ça part à côté, là. C'est bien visé dessus. Ouais, bon, le temps l'a démonté à ma place. Lol. Où la greu? Écoutez, je sais pas si ce que je voulais faire, c'est pas grave. Oh putain, qu'est-ce qui me tire dessus là? Putain, j'entends rien, ils partent tous à la radio en même temps, ça me laisse pas grand chose. Lol, allez cut, voilà. Eh, hey, c'était un gamin? Ce chinois là, c'est un gamin, regardez. On dirait qu'il a 15 ans. Oh putain, c'est chaud. Oula. Oh la vache. Écoutez, ça pète de partout. Et avec toute la fumée, tout ça, j'ai un peu du mal à bien voir. Voilà, lui, je l'ai eu. Oh la vache. Non, je vous laisse. Heureusement que les sous-titres... D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ouais, mais le jeu en VO. Si le jeu en VO, logiquement, sera mieux, je pense. Mais moi, je teste les versions françaises. Donc je joue en français. Oula. J'ai pas un lance-grenade, un truc comme ça, moi? Non. Oulala. Il y a plein de trucs à la radio qui passent, j'ai du mal à tout écouter, à vous parler, à suivre en même temps, c'est un peu compliqué. Bon, est-ce que je fais le tank ou pas, là? Hop, tire. Pourquoi il tire pas, le tank? Alors pourquoi le tank ne tire pas? Je ne sais pas. Vraiment la preuve. Oh la greu. Oh putain, on est chaud. Oui, je recharge une seconde, on a compris qu'il rechargeait là. Hein. Mais ça, je fais passer une seconde, moi je fais ça plutôt 5 minutes le machin. Allez bim. Oula, c'est encore un. Oh putain. Oh la vache. On se barre. Ah merde. Aïe, dommage. En tout cas, l'immersion au rendez-vous, vraiment, à tel point que j'ai un peu du mal à tout suivre, tout ce qui se passe. Mais bon. Ça, franchement, regardez là, on spawn là, c'est juste magnifique. Bon. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas de vraie couverture, quoi. On va se mettre à côté du tank. Alors. Hop, une tête. Ok, lui je l'ai loupé, enfin j'ai touché mais je l'ai loupé. Quoi, il y a pas... Ah merde, faut que je recharge. D'accord. On va recharger. Oh putain. Quoi, ce qui serait bien? Oula, mais la balle qui part à travers, quoi. Mais il est pas mort. Par contre, ce qui est marrant, la voix de la fille, c'est assez drôle quand même. Alors, par contre, je comprends pas trop tout. Putain. C'est hyper dur de... Regardez la balle, je sais pas si vous avez vu la traînée de la balle. Regardez. La balle, elle part même pas droit, la balle fait un zigzag tellement qu'il y a de suppression, de vent, de... Ah bah voilà, ça a pété. Ça, c'était bien joué, ça. C'est marrant, la voix de Anna par-dessus. Ça fait un peu une blague. Parce qu'on est là... Ouais, on y va. Attendez, je tire. Ouais, go, allez bien, là, c'est bien, on avance. Oui, j'arrive, attention. Ça fait un petit peu décalé. Alors, lui, je sais pas comment il meurt pas. Pourquoi il meurt pas, lui? Ok. Élimination sous adrénaline, c'est quoi ce truc? J'ai eu élimination sous adrénaline, alors je sais pas ce que c'est. J'ai eu des points en plus. Oui, on a compris, il doit recharger, il fait que ça de recharger, de toute façon. Hein. Donc bon. Oula, il y a du monde, ok. Hop, ouh, lui s'est pris une belle tête. Ouh, lui aussi. Ouh, ça doit faire mal, ça. Et là... Non, je peux l'avoir laissé ou pas?
Ouais, je l'ai eu. Oh, ça c'était pas beau dans un mouchoir de poche, les gars, je l'ai eu. Hein. Là, c'était plutôt bien joué, mais j'étais bravo de Nubes. Voilà. Je m'auto-félicite. Hop là. Oh là, le cri qu'il a fait. Mais regardez, je tombe plein dessus. Il y a des fois, ça touche pas, moi. Regardez. Il y a vraiment des putains de bugs, c'est hallucinant. Ah bah, quand même. Non, mais il y a des fois où ça touche vraiment pas du tout. C'est un peu. Un peu bizarre. Bon, de toute façon j'ai plus de munitions. On va continuer d'avancer. Vraiment, il y a un ennemi là-bas. Il est où la truc? Ah, il est là. Voilà, on va recharger. Non, le jeu qui crache. Ok, bon, j'espère. En fait, le jeu a crashé, malheureusement. Donc, voilà. Donc, je recommence. En fait, je recommençais d'un peu, j'avais le checkpoint d'avant, et donc j'ai tout refait le jeu jusque là, sans filmer évidemment, pour éviter que ce soit un peu trop chiant pour vous. Et donc nous revoici, et eh bien nous revoici ici, tout simplement en espérant que cette fois-ci le jeu ne crache pas. Sachant qu'évidemment le jeu qui crache c'est pas ma faute, hein. A priori c'est le, ça arrive à beaucoup de monde, donc je pense que c'est juste le jeu qui est un peu mal codé, c'est tout. C'est dommage, j'ai pas filmé le début parce que j'ai fait un truc qui était assez marrant. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Oui, il sort. Il s'est passé quoi là? Hey, l'écoutille était ouverte. On a failli y passer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onde de choc. Ils ont de la chance d'être en vie. On devrait prendre le char. Waouh. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais enfin bon. Qu'est-ce que je disais? Comme tu veux, Irish. Qu'est-ce que je disais? On prend le tank, là? Ouais, on prend le tank, ok. Allez! Qu'est-ce que tu dis, ce truc? J'adore conduire, mais ce char fait un bruit d'enfer! On se sent plus à l'abri là-dedans qu'à pied! Ah ouais, il en a sur le capot! On peut traverser tout ce merdier jusqu'à l'ennemi! Ça, ça me plaît! Ok. Qu'est-ce que je disais? Et avant, je parlais de la VO, de la VF. Et pour moi, je pense que la VO est effectivement mieux. Je referais peut-être le jeu en VO par la suite. Et moi, on est en France et j'ai envie de tester le jeu en français et de donner mon avis sur le jeu français. Forcément. Après, c'est vrai que je pense que je testerais peut-être la VO juste pour. Par plaisir, voilà. Et autrement, c'est que certains, j'ai vu certains commentaires qui parlaient. Oh, putain, les palmiers qui sont penchés, c'est impressionnant. Putain, on va juste les casser. Pas casser le palmier? Ah, ça c'est vraiment moche par contre. Ça c'est vraiment moche. Ah, ça c'est moche. Et que disais-je? Oui, il y a certains aussi qui m'ont dit ouais qu'on peut récupérer des armes, des plaques, plein de choses. Ouais. Ça peut être sympa, mais je pense pas. Je pense pas faire ça. Peut-être tout seul après, je sais pas, mais. Autant il y a des jeux où j'aime bien trouver des choses, notamment sur Tomb Raider, voilà, mais sur BF4, je n'ai pas spécialement envie de chercher des choses un peu partout. Donc bon. On a une caméra thermique, ok. Et il est pas mort! Ah bah voilà, merci. Oula, alors. On va se mettre en caméra thermique, on va un petit peu mieux quand même, j'ai l'impression. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et voilà. On ne la fait pas à moi. Il en reste ou pas? Ah, on voit comme beaucoup mieux en thermique, hein. Il n'y a pas toute la brume et tout le vent. C'est un peu siège en flanc de gars ici, hein. On reconnaît les. Oh putain! Oh la vache, il m'a bien eu lui. Allez, on essaie de tirer dans le dos. Prends une chenille. Bah, il va mourir ou pas? Oh là là, c'est qui c'est? Ah bah quand même. C'est que c'est plus les tanks, les vieux tanks tout moisis qu'on avait dans d'autres solos, hein. C'est que c'était vrai tank, hein. Attention. Hop là. Ah, c'est vraiment le siège of Shanghai, la map, hein. On a le parking là, qui sort de la rue ici. Ah, j'en ai écrasé un, lol. Boum. Exit only, tu parles. Pas le casser? On va pas casser ça? C'est sérieux là?
Non mais c'est nul. Le truc il peut pas casser ça. Bon. Et bah ça on avait vu hein. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Alors, où est l'ouverture? Ce serait pas ça? Ah ça y est, ça se ferme. Qu'est-ce qu'il me tire dessus là? Ah stop toi. Attendez, on va se casser. Oula. Ouh putain, vite le tank, c'est parti. Ok. Ok, là on est mal. On est pas très bien. Mais oui, j'ai trouvé, je viens de le faire. Qu'est-ce qu'il raconte? Non? Alors j'ai pas tout suivi ce qu'ils ont dit, mais bon. Ok, bon, fonce. Et hop là. Bon, pour l'instant on est plutôt bien parti. On est plus... Ah, tank à droite. Ok. Ok, on l'a. Deuxième coup. C'est bon, on tire vraiment beaucoup plus doucement. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon ça me aurait mal. Allez, tire. Hop là, ça c'est bon. On pourrait prendre celui-là, je sais pas si ça vaut le coup de prendre ça. Prends celui-là. Allez, on essaie celui-là un peu. Je crois qu'il va plus vite ça, non? Bon là j'ai pas le thermique, là j'ai le zoom. Bon pourquoi pas. Où est-ce qu'on va? J'appelle ça la droite hein. Pof pom 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 pom. Oh putain merde. Je suis coincé. What the. Alors là j'ai pas compris. Mon tank était coincé dans une barrière. Genre j'avais deux chenilles qui étaient par dessus un petit muret, je pouvais plus bouger. Mais n'importe quoi. Bon d'accord, on va garder l'espèce d'Abrams là. Parce que bon, c'est bien gentil hein, mais rester bloqué dans un truc tout moisi comme ça, non merci hein. Allez. Ouf, on a eu chaud. Ça me fait un peu penser à la mission de... Tu sais, au niveau des missions pour l'instant, on a quand même pas vu beaucoup d'éléments différents quoi. Parce que là, la mission de tank là, évidemment me fait penser à la mission de tank de BF3 où on était dans le désert. Sauf que là, c'est toujours... Enfin, on n'a pas fait de désert, on n'a pas fait de neige, on n'a pas fait de jungle. Donc bon. C'est moins diversifié que BF3. Mais en même temps, ça permet de garder une certaine cohérence dans l'action. Et Oula, 20% de vie. Ouh, j'aime pas trop ça. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Ouais, bon, on dégage. On va y aller à pied. Quand on m'envoie là, je suis pas sûr que ce soit si puissant. Mais sinon, on va le feinter. Ouah, qu'est-ce qu'il fait? LOL! C'est quoi ce délire là? Oh la vache! Vous avez vu ça? Oh énorme! Là j'avoue c'était énorme! Le machin il a embroché mon tank, il est passé par-dessous! Impressionnant quoi! Énorme! C'est, pour le coup c'était marrant! Attends, où est-ce qu'il faut aller? Là c'était tout mon bien. Je me suis un peu paumé dans l'histoire. Là-bas, il y a un tank ou quoi? Non? Ok. Bon, écoutez, on fonce. Allez, mais ça patine à mort, mais c'est pas un vrai tank, ça. Bon. Objectif, il part là-bas. Qui c'est qui me tire dessus? Je reçois des tirs. Alors, je sais pas qui. Hein. Je sais pas qui c'est qui me tire dessus. Oups, merde, le rocher. Non, je vois pas. Ça vient de par là-bas. Là. Là-bas, ok, on l'a vu. Hop. Putain, il me fait mal l'enflure. Et tire. Hop. Allez. Allez, le petit enfoiré, il se cache, quoi. Moi aussi, je me cachais. Attention. On va essayer de jouer un peu plus malin. Il est déjà bien blessé.
Oh la vache, il vise bien moi. Et boum, ça c'est fait. Ça c'est fait, je crois qu'il y en a un deuxième après. Faut que je fasse gaffe car j'ai plus beaucoup de vie. On va quand même que ça remonte un petit peu. La 50, ça remonte. Est-ce qu'on a là-bas? Ouais, j'en ai eu un. Putain, je les vois même pas. Tellement que c'est sombre et tout. Tellement que c'est brumeux plutôt. Bon, allez, hop. Allez. Ok, boum, ça c'est bon. Ok, boum, ça c'est bon. Ok, pas boum, ça c'est pas bon. Et ils tiraient pas sur tous mes ailés, hein. On est 4 dans le temple, les mecs, tu crois qu'ils tiraient jamais. Le gunner, il est... Voilà, comment il est mort, lui. Alors lui, il est mort d'une façon assez étrange, quand même. Bon, c'est pas grave. Ah, une nouvelle architecture. C'est ça, l'aérodrome. Ah, je suis pas sûr qu'on passe, là. Ouais. Là, je crois qu'on passe pas. Je crois qu'on ne passe pas. Je tire comme ça histoire de faire un peu le ménage avant. Je sais pas si je peux tuer quelqu'un. Bon, allez, tant pis. On est bas à pied, c'est pas grave. T'as les petites lumières sur les côtés et tout. Non, franchement, c'est joli. C'est vrai que. Bon, je le dis souvent, hein, mais c'est magnifique. Où est-ce qu'ils allaient, eux? Regardez la mer. Waouh. Non, ouais, franchement, waouh. Pas mal. Bon, allez, on y va. Hop là. Hop là. J'ai lancé grenade totalement cheatée que j'ai récupéré avant sur un ennemi. Truc un tout petit peu abusé. Bon. Oula, le temps de recharger. Hop là. Hop là. Allez, on rentre dans le tas. Ça fait le village, ouais. C'est. Il va falloir faire gaffe, la mission sera un échec. Il devrait y avoir un pont de l'autre côté de ce bâtiment. On aurait une meilleure vue de là-haut. Je vous laisse apprécier le paysage. Et Anna. C'est beau, hein. Merde. On se gèle ici. Le pont est là. On n'est plus que 4. Il faut y aller. C'est complètement à découvert, autant dire un vrai merdier. Il nous faut un meilleur plan. Les nuages se dissipent. La tempête faiblit. Il faut se dépêcher. Ça me plaît pas du tout. Il faut être dingue. 4 contre une armée. On a discuté de cette mission en détail avec Garrison, ok? Il était parfaitement au courant des risques. T'en as discuté, tu m'as rien demandé. C'est quoi le problème? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? J'ai pas de problème avec les femmes, sauf quand c'est des menteuses! Oh. Arrêtez ça! On a une mission à mener! Pensez aux gens à bord du Valkyrie! Les gens qu'on a sauvés! Maintenant, ils comptent sur nous! Ne me regardez pas comme ça, j'ai rien fait, moi! Merde! D'un petit coup de main. Oui, allez, on y va. Hop. Il nous cache un truc. Je lui fais pas confiance. Faut garder un peu. Ah voilà, moi je suis d'accord avec les riches. Moi non plus, je fais pas confiance. On y retourne, et vite. À tous les coups, tu sais, c'est la fille du président, un machin comme ça là, en mode salut, je sais pas si m'a aperçu. Moi, j'y ferai aussi attention. Je vais pas récupérer des munitions là. Attends, elle est où mon arme? D'accord, bon, je garde mon machin totalement abusé, c'est rigolo. Et on y va. Aéroport à 300 mètres. Oula! Ah ouais, quand même, il y a une sacrée tempête. Hein. Il y a l'eau qui passe sur le sol, c'est vachement bien fait. Waouh! Putain, les voitures! Pas mal. Allez, boum! Et boum! Et boum! Excellent! Bah oui, vas-y, charge-toi, charge-toi! Wow, là! Prête à faire mouvement! Pas de problème! Putain, la voix française de la fille, franchement, quoi! Enfin, comment on fait pour passer? On passe par là, ok! Allez, boum! Oh putain, les vagues! Ah non, j'avoue que franchement, ouais.
Je me répète, hein, je sais que je me répète, je suis désolé, mais... Mais quand même, quoi. C'est... Ouais. Et en plus, vous savez, la voiture qui tombe là comme ça, moi j'ai vu un truc comme ça en vrai. J'étais en vacances, il y avait un espèce de camion blanc comme celui-ci, il y avait une grosse tempête comme ça, il y a un camion blanc comme celui-ci qui tombait sur le côté comme ça. La même, hein. Comme dans le... Mais en vrai. Bah en vrai, ça fait un peu plus peur que dans le jeu. La voiture, putain. Oh putain. Merde. Il est bloqué. Ok. Ça va aller. Pourquoi bouger ça? Je sais. Putain, gros, faut pousser. Ok, il a bougé, son bras est libre. Contact. Facile, admettez. Ah. Cible abattue. C'est bon. Debout. Ok, à la voiture. Pack, mets la tête. Ah là, vérifie. Vérifie le frein à main. À 3. 1, 2, 3. On va y arriver. Oh putain! Bordel! Il est chaud! Faut pas rester sur le pont! C'est trop dangereux! On va pas te laisser en arrière! On n'abandonnera personne! Bougez! Donnez-moi la main! Vous devriez être dégagé! Pourquoi ça vient pas, bordel? C'est le quoi? C'est les sangs, bordel! C'est les sangs! Allez! Oh merde! C'est quoi ça? Oh la vache. Attention au requin. Ah mais ouais franchement. Pff. Oh les algues, ok. Ah, là je pilote pas, hein, ça se fait tout seul, hein, c'est une cinématique. Putain, cette flotte est gelée. Tout le monde va bien. Mais où est-ce que tu t'enfuis de... Silence. Waouh. Alors là, je crois qu'il n'y a plus de pont, alors on est où l'évolution? Depuis les égouts, hein? C'est plaisir. Regardez, on est juste au-dessous de l'aérodrome. C'est comme ça qu'on va entrer. Affirmatif! Je tire! Ah, mais du coup, j'ai plus mon arme, moi. Merde. Ah, si. Est-ce que le gun, ça va 2 minutes? Mais moi, j'aime pas trop le Rex, hein. C'est pas mon truc préféré. Donc bon. Ah, bah là, on peut changer. Super. On va prendre la M4, tiens. J'ai jamais joué à la M4 encore. On va voir ce que ça donne. Elle est où? Elle est là. Ah mais y a pas de viseur. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc apparemment on passe dans les égouts. Passer dans les égouts quand il y a une tempête avec plein d'eau, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Hein. J'avais pensé être si content d'être dans les égouts. Que si jamais l'eau monte, qu'on se retrouve coincé entre. Enfin noyé entre le toit et ça, ça peut être super. Hein. T'en fais pas, je les ai. Bon. Alors, on va voir. On doit monter. On écoute. Non, quelqu'un t'a causé à toi? Je veux une réponse de quelqu'un de confiance. Ok, on confirme les coordonnées, on lance la fusée et on se tire. On peut le faire. Allez, allez, on peut le faire, on y va. On grimpe. Ça fait longtemps que vous faites équipe? Irish et Raker, ça remonte. Et Don, c'était le chef d'escouade. Moi, je suis là depuis un an. Qui est arrivé à Don? La mer l'a emporté. Ah, je suis désolée, je savais pas. Mm-hmm. Tu peux t'excuser, en effet, hein. Pauvre Don, quoi. Lui, c'était un mec bien. Non, je déconne. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Bah, il est très bien ce truc-là. Petit Airbust avec? Allez, les M300, voilà. On est des foufous. Là, hop, on récupère toutes les munitions. On attend qu'il recharge bien tout ça. Voilà. Ça c'est chargé, ça c'est chargé, et ça c'est chargé. Qu'est-ce qu'on a? L'équipe au sol et quelques tireurs. Allez, feu, 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 feu. Bon, ah ouais, c'est une arme en rafale, merde. Bon, pourquoi pas. Oula. Affirmatif, ouvre
Hop là, ça c'est bon. Oh là, il y en a plein dessus, ok. Ok, ok, il y a des gens de partout. On va tâcher de bien jouer. On va pas faire le cracoucasse. On va faire son marsupilami. Voilà, ça, ça passe. Où est-ce qu'il est, lui? Et là, ça, ça passe. Singapour argent, ouais. Je sais même pas comment je débloque ça. Mais bon, tellement que je l'ai, c'est cool. Il est mort, lui, ou pas? Ok, il est mort, mais il est mort bloqué. Vas-y, j'aimerais tellement prendre un avion de chasse. Ça me... Je crois que j'en aurai jamais, c'était vraiment dommage. Je sais pas s'il y aura des avions qui étaient après. On est à l'aérodrome, avec un peu de chance. On va se barrer avec un avion, j'espère. Mais bon. Putain, mais c'est pas toi qui commande, Anna. C'est quoi ton problème, Irish? Allez, les gars, par ici. Les gars. Je suis pas digne de confiance. Tu me traites de menteuse? Je t'ai rien fait pour toi. Exactement. T'as rien fait pour moi. Là d'où je viens, la confiance, ça se gagne. Oh là là. Des vrais enfants, ces deux-là. Bon. On continue. Ah, super, on va recharger. Oula, ça décolle là. Mais on tire là. Regarde, je prends le 320 et boum. Non, ça passe loin. Oh putain, j'ai tout fait péter. Allez, bim. 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 Ouf, putain, la flash. Oh là là. Oh là, je reste pas là, moi. Oh putain. Oh la vache. C'est qui tire d'où là? Lui. Oh la vache, c'est la merde. C'est la merde, mon capitaine. Non, 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 non. Toi, t'es mort. Il est où lui? Il est tout là-bas. Plus haut. Ok, on l'a eu. Ok, ok, là on est plutôt bon. Oh la vache, le carnage qu'on a fait. On est arrivé dans le taille. Bom, 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 bom. C'est plutôt impressionnant. Ça, c'est bon. Bon, où est-ce qu'on va? En tout cas, c'est sympa l'aéroport, hein. C'est stylé. Bon, les roues, on passe à travers. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, quoi. On va suivre Pac. Pac-Man. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Bon. Où est-ce qu'on va? Oula, y'a sniper. Sniper là-haut. Plus de sniper là-haut. Bon, là je me concentre un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et je suis vraiment pas prêt, je suis pas bon en scalade moi. Dès que c'est un tout petit peu trop loin, j'ai un peu du mal à gérer les distances, mais enfin bon, ça passe quand même. Ok, bon. Et sérieusement, j'espère vraiment qu'on pilote un avion. Oh putain. Il m'a fait sursauter, le con. Oh là là. Bon. Salut. Surprise, mon enfant. Putain, y'a encore du monde là-bas. Ils sont combien ici? Là, il y a une porte à ouvrir. Oh, si on ouvre la porte, ça veut dire qu'on ira en avion après. Ah non, c'est la petite porte, tu vas me dire, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça, c'est bon. Ah, parce que moi, je peux ouvrir la petite porte, j'ouvre la grande, moi, le hangar. Voilà l'issue. Dans la voiture. Il décolle. Non, prends la voiture. Faut que je lance la fusée. Pourquoi c'est toi qui... Faut les réduire en miettes, Garrison. Bon, c'est pas grave, on va quand même les réduire en miettes, comme il dit. Go, 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 go. Anna, démarre cette bagnole, qu'est-ce que tu fous? Tu veux tout faire foirer? Encore? Allez, allez. Bah allez, Anna. Mais qu'est-ce que tu fous? Les voilà. Putain, mais avant. Démarrez. C'est parti, Hacker. Donnez tout ce que vous avez, Hacker. T'inquiète, c'est bon, je gère. Je suis en train de conduire. Et hop là, ça c'est... Oh la vache, les avions. Il y a des avions partout. Oh putain. Oh la vache. Pas vrai. Oh la vache. Oh la vache.
abusé. Je sais pas si vous avez vu en bas à droite dans les noms, Anna avait disparu du. Des machins. Bon, on en est où là? Il se passe quoi? Back! Réveille-toi, putain! Non, pas encore un, t'es sérieux? Me fais pas ce coup là! Attends, à la fin, une soirée, elle va se toute seule quoi! Fais quoi là? Sérieux? T'amènes Zaycher! Watch-toi, toi, t'amènes là! Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde! Oh. C'est lui qui avait raison. Désolé, Ricker. C'était la seule solution. C'est qui qui avait raison? Là, attendez, dites-le-moi, j'ai pas bien entendu. Qui est-ce qui avait raison? C'est moi. Voilà. 22 marines tuées pendant l'assaut. On n'a pas assez de moyens pour s'occuper de tous les blessés. On est peut-être plus sous l'emprise de Chang, docteur, mais ce n'est pas fini. On a besoin de tout le monde sur pied et prêt à se battre. Et Tombstone, capitaine, ils ne font pas partie des morts. Putain, très bien. Ok, quoi d'autre? S'ils ont été capturés, quelles sont les chances? Si Chang met la main sur eux, ça m'étonnerait qu'on les revoie. J'avais raison. J'avais raison, c'était bien une traîtresse. À tous les coups. Et qui c'est qui avait raison? Irish, évidemment, voilà. Ah, c'est putain, et comment on va faire de coup? Votre mission à Shanghai, sergent Ricker, c'était pour quoi? C'était pour rien du tout. Je veux pas voir ça. Non, de toute façon, maintenant on a fini, là c'est la mission suivante. Mais n'empêche que j'avais quand même raison. Et si vous voulez voir la suite, eh bien, rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, moi je vous dis bye bye. Et à la prochaine, et putain, je suis tellement impatient de faire la suite que je me vois difficilement vous attendre. Bon, je sais pas comment je vais faire ça. Bon allez, moi je vous dis bye bye, et à la prochaine.